Bonjour et bienvenue pour une autre émission d'Ambiance Accordéon. Aujourd'hui, notre première invitée nous vient de l'Allier, une autre fille aux doigts d'or, Virginie Pouget, qui nous interprète un passo-doble de Maurice l'Archange, Toro el Paso. Virginie a débuté l'accordéon à l'âge de 8 ans et participé à de nombreux concours ACF jusqu'à l'âge de 15 ans. Très vite passionnée par la scène, elle anime son premier bal en orchestre à 13 ans. Jusqu'en 1994, elle se produit dans différents petits orchestres de sa région. En 1995, elle crée son propre orchestre, l'orchestre Virginie Pouget, composé de 4 ou 5 musiciens et avec qui elle parcourt la France entière pour animer bal et thé dansant. Virginie participe également à de nombreux galas d'accordéon. Elle a fait également partie des Filles aux doigts d'or, avec lesquelles elle a enregistré 2 albums. Virginie a également pratiqué le violoncelle et le piano durant quelques années. Elle a enregistré 9 CD et 4 DVD et a en projet l'enregistrement d'un nouveau CD. Elle a participé à plusieurs émissions de télévision. Sur un air d'accordéon avec Michel Pruvot, La chance aux chansons avec Pascal Sevran, Souffler ses jouets, spécial musette avec Alain Rivaillé, Télémélodie et plusieurs émissions de radio. Virginie continue de parcourir la France avec son orchestre ou en gala pour le plus grand plaisir des danseurs. Bonjour Virginie. Bonjour Gilles, bonjour Sandrine. Ravie de te recevoir. Eh bien merci. Bonjour Virginie. Alors parle-nous de ton orchestre. Alors mon orchestre est composé de 4 à 5 musiciens. Et nous parcourons un petit peu toute la France. Il y a quelques régions encore où nous ne sommes pas allés, mais on se déplace beaucoup. Plutôt au sud, plutôt au nord ? C'est plutôt nord quand même, oui. Malheureusement, parce que j'adore le sud. Il fait chaud, oui. Voilà, il fait chaud et puis je trouve que les gens sont chaleureux, avec le petit accent, c'est sympa. N'est-ce pas ? Ouais. Tu parles pour moi ? Un petit peu, oui.
Mais en tout cas, j'espère qu'on va te voir très prochainement dans le Sud. Eh bien, j'espère bien aussi. Amis organisateurs, si vous nous écoutez. Si vous nous écoutez, je suis là. Alors, quels sont tes projets à venir ? Alors, les projets, c'est surtout au niveau de la discographie. Donc, j'ai un CD que je vais enregistrer prochainement. Bon, en préparation ? Pas totalement en préparation. C'est encore un projet, mais j'espère très bientôt. Voilà, et j'ai un DVD qui va sortir normalement début d'année. D'accord, donc lui, il est en boîte. Celui-ci, il est en boîte, voilà, impeccable. Alors, avec des compositions ? Avec quelques compositions, des compositions de collègues également, des standards, non, pas sur celui-ci. D'accord, et le projet du CD à venir, ce sera des compositions aussi ? Oui, ça sera des compos et puis des reprises, des compositions aussi de collègues, oui. D'accord. Ben, on te souhaite une bonne continuation. Et merci. Merci Virginie, à tout à l'heure. Merci à vous, à tout à l'heure. Notre deuxième invité qui nous vient du département du Cher, Denis Glomeau. Il nous joue un boléro de sa composition. Boléro pour Noémie. Bonjour Denis, merci d'être avec nous. Bonjour, très heureux d'être avec vous aussi. Bonjour Denis. Bonjour Sandrine. Ça va ? Eh bien oui, impeccable. La forme, on a fait la route avec du mauvais temps, mais on est arrivé quand même. Bon, super, on est bien contents. Alors raconte-nous comment tu es venu à l'accordéon ?
Alors moi, je suis venu à l'accordéon grâce à ma famille du côté de ma maman, qui est d'origine polonaise, et son père jouait de l'accordéon, et tous ses oncles à ma mère jouaient de l'accordéon, donc les frères de mon grand-père. Voilà, donc c'est une famille de musiciens, d'accordéonistes, et j'ai hérité de ce don. Et voilà, je suis venu à l'accordéon grâce à eux. Et est-ce que tu joues un petit peu la musique de chez eux? Non. Non? Non. Jamais eu envie? Mon arrière-grand-père m'a bien donné des méthodes polonaises, mais bon, je me suis jamais vraiment penché dessus, quoi. Peut-être un jour. Peut-être, oui, pour leur rendre un hommage, oui, pourquoi pas, oui. Et en réunion de famille, des fois, ça joue Oui, ben bon, là, sur la totalité, bien sûr, il y en a qui sont décédés, quoi. Mais avant les réunions de famille, eh bien sûr, on retrouvait mon arrière-grand-père, mon grand-père, moi, et puis le fils de mon grand-père, on était 4 générations d'accordéonistes. Voilà. Joli. Ouais, c'est une belle histoire, oui. Alors après, donc, histoire de rencontre maintenant musicale. Oui, j'ai rencontré un jour sur un salon de la musique, j'ai rencontré Roberto Milesi sur le stand de Fratelli Crozio, comme il joue sur Fratelli Crozio. Et Roberto donc, m'a permis d'avancer dans le métier, m'a fait découvrir des gens, des organisateurs, des patrons de dancing, des adresses, et il m'a vraiment mis un pied à l'étrier dans le métier de d'orchestre et de gestion un petit peu aussi, quoi. Il m'a vraiment aidé, quoi. Donc je lui dois un grand coup de chapeau à Roberto. C'est un petit peu un papa musical, un parrain, tu le vois? Oui, si on peut dire, oui, quelque part c'est un parrain, car je l'estime beaucoup, et puis on se connaît donc maintenant depuis 30 ans, même un peu mieux, 34 ans même. Donc c'est vraiment un ami proche, et puis il m'a vraiment fait connaître des gens très, très agréables à discuter, quoi. D'accord, belle rencontre. Oui, belle rencontre. Merci Denis. On retrouve Sandrine Tarrère dans une jolie valse, Cœur de musette.
Bravo Sandrine. Et voici les questions du tac au tac. Allez, on commence par toi Virginie. Oui. Un voyage de rêve, pour toi c'est où? L'Éthiopie. Denis, si tu gagnais à la loterie, que ferais-tu? J'en ferais profiter ma famille. Virginie, quel est ton loisir préféré? La musique, forcément. Après, j'aime plein de choses. J'aime bien me balader, j'aime bien aller au cinéma, mais la musique, forcément. Denis, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que je n'aime pas? Certains plats. Les anchois. Les anchois. Par exemple, voilà. Pourquoi? Comme ça? Oui. L'odeur? Peut-être, oui. Et l'humeur des gens, la mauvaise humeur. Les anchois et la mauvaise humeur. Voilà. Virginie, quel est ton plus beau souvenir? On va parler d'un souvenir musical. C'est ma rencontre avec Maurice l'Archange. Parce que depuis toute petite, c'est mon accordéoniste préféré, c'était mon idole. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer. Et c'est un super souvenir. Denis, oui? Ton artiste préféré? Je vais revenir un petit peu dans le rétro, j'aimais bien Mike Brandt. Virginie, quel style de musique écoutes-tu? Plein de styles, j'aime le classique, j'écoute de l'accordéon aussi, j'écoute les musiques actuelles, plein de styles en fait, je suis très ouverte. Denis, ta plus belle qualité? Gentil, généreux. Merci à tous les deux pour ces réponses. Merci. Retrouvons à présent Virginie Pouget dans... La rumba brésilienne. We'll be right back.
retrouver chaque semaine votre émission Ambiance Accordéon. Quoi ? Une chanson ? Laissez-vous emporter par les mélodies et chansons qui vous séduiront. Pour revoir cette émission, le site ambianceaccordéon.com. Pour toutes les informations sur nos émissions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Retrouvons Denis Glomeau dans une valse intitulée La Définoise. L'émission est à présent terminée. Je vais remercier Virginie Pouget et Denis Glomeau, nos deux invités. Nos deux musiciens Marlin et Laurent et aussi Sandrine pour sa participation. Je vous dis à très bientôt pour une autre émission d'Ambiance Accordéon. Générique.